Salut à tous les gars, c'est Babar et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle course de BMX. Si on lit la description, on peut lire facile, donc à mon avis, ça va être vraiment difficile, hein. Voilà, j'ai pour habitude de lancer des courses plutôt dures. Je me suis dit pourquoi pas tenter une course facile selon le créateur, parce que peut-être que ce qui est facile pour un est difficile pour d'autres, hein, on ne sait pas. Comme beaucoup de courses difficiles pour moi, enfin difficiles en règle générale sont faciles pour moi, mais certains ne trouvent. Ok, j'ai bugué. Ouais, je sais plus ce que je disais. Si certaines courses que je lance qui sont censées être difficiles, des fois je les trouve faciles. Alors peut-être qu'une course qui est censée être facile, je vais la trouver dure. On sait pas. Hein. On sait pas. C'est pour ça que j'ai décidé de tester cette course-là. Ouais, j'aime bien ces petits trucs-là, je sais pas s'il y en a qui ont déjà testé, c'est vraiment marrant, on se laisse glisser comme ça, c'est fun. Ouais, on ne tombe pas en plus, hein, c'est beau. Donc je précise, hein, évidemment, je ne connais pas la course, je ne l'ai jamais faite. Je l'ai téléchargée il y a 2 jours sur le Social Club. Pourquoi 2 jours? Pourquoi pas il y a 5 minutes? Bah tout simplement parce que je télécharge pas une course par une course en fait. J'en télécharge une grappe ou deux d'un coup. Et ça me fait un petit moment comme ça. Après je suis tranquille, voilà. J'ai pas besoin de rechecker les courses tous les jours. Hop, j'en prends 5-6. Ça me fait 2-3 jours, c'est bien. Ouais, tu fais quoi toi? D'accord. Faut monter haut comme ça. Ah bah c'est bon, il y a le point. Ah bah en plus je suis au sommet, je suis vraiment con. Je crois qu'il me reste un étage à monter. Ouais, ça saute, c'est cool. C'est dur. Wesh. Juste dis c'est dur et je meurs. C'est la blague. Babar le blagueur. Là, j'ai eu de la chance parce que je suis retombé un petit peu trop sur la roue arrière et je suis pas mort. Alors que d'habitude, ouais, parce que je sautais pas très haut, mais d'habitude, quand on saute de bien bien haut, il faut pas retomber du tout sur la roue arrière, il faut retomber sur les deux roues pile poil en même temps. Ce qui est dur, oui et non. C'est pas toujours évident, mais en général, ouais, ça se fait plutôt bien quand même. Ouais, ça va, il s'est lâché sur les points lui. Plateforme bleue égale 15 points, c'est ça? Combien de points dans la course? Ah ouais, il y en a 21. On est déjà à 15, au bout de 2 minutes 30. Tu fiches ma gueule. Ah bah il avait dit que ce serait simple, il a pas menti quoi. Je veux dire là, faut vraiment être manchot pour pas réussir cette course, hein. Franchement. On peut même pas dire que c'est une course pour les débutants, pour qu'ils veulent s'entraîner ou quoi, parce qu'il n'y a aucun entraînement sur cette course. Il n'y a rien à faire, donc tu veux t'entraîner à faire quoi? À rouler seulement? Tu prends ton BMX, tu vas dans la rue, ça marche aussi. Ouais, génial. Wesh, il s'est lâché sur les boosts un peu lui, hein. Oh, il est malade. Ok. 50 000. Ok, ouais, super. 50 000 boosts pour qu'au final on te dise, vas-y, faut tourner à gauche sec d'un coup comme ça. Alors? Tu t'y attendais, hein? Moi, non. Mais je suis tombé. Oh là, oh là. Calme. Ah ouais, c'est le point final, j'ai même pas vu. Oh là là, ça va être quoi encore? C'est du planage. Ça va être loin, je suppose. Ah non. Non, non, il est en bas au croisement sur la route là-bas. Ça sent la fin de course rapide, hein. Wouh, génial, on a fini la course. Ouais, pump it up. 3 minutes 50, eh bah pété. Je sais pas ce que vous avez pensé de cette course, moi je l'ai trouvé plutôt pas mal, un peu trop facile, franchement on va pas se mentir. Mais si ça vous a plu, vous avez quand même le droit de mettre un petit pouce bleu, vous avez le droit aussi de laisser des commentaires, de partager la vidéo sur vos réseaux sociaux préférés. Et d'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, je suis assez actif, on va dire sur Twitter surtout. Donc n'hésitez pas. Et puis si vous avez envie, on sait jamais comme ça, une idée folle de vous abonner, et ben c'est pareil.